Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de la pousse de mes cheveux. Donc, en gros, c'est un update depuis la dernière fois que j'avais expliqué comment mes cheveux poussent. Donc là, c'est un update de la pousse de mes cheveux récemment. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager quelques astuces que moi, je mets en place et que du coup, j'ai remarqué que ça a marché pour la pousse de mes cheveux. Donc, je n'ai pas forcément cherché à faire pousser mes cheveux, c'est juste que ce sont des choses que je fais et que du coup, je constate que mes cheveux sont sains et que du coup, ils poussent. Donc, première chose que j'ai à vous dire, c'est que je fais des soins. Donc, je fais des soins régulièrement, une fois par semaine, je fais pas plus, honnêtement. Donc, je fais juste un masque par semaine et du coup, ça me permet de les hydrater, de prendre soin d'eux, etc. Donc, vous connaissez déjà le blabla par rapport à ça. Donc, c'est prendre soin des cheveux, l'hydratation, tout ça, c'est important. Deuxième chose que je fais, c'est faire des coiffures protectrices. Donc, comme vous voyez, donc, dans cette vidéo, j'ai 4 nattes. Donc, lorsque la vidéo va sortir dimanche, cette coiffure, je l'ai fait mardi soir par une amie. Donc, c'est une amie qui me l'a fait. Donc, de temps en temps, j'essaie de faire des coiffures protectrices. Donc, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de coiffures pour changer un peu et puis aussi parce que j'aime et ça permet aussi de garder les cheveux protégés pour pas qu'ils se cassent et du coup ça permet la pousse des cheveux. Mais auparavant je ne faisais pas tout le temps, je fais vraiment de temps en temps. C'est là ces derniers temps que je fais beaucoup de coiffures et du coup ça permet de faire pousser les cheveux. Dernière chose, c'est que j'ai une alimentation saine. J'essaie de manger le maximum de légumes différents, des fruits, d'apporter une variété au niveau du poisson et de la viande. Et donc, je vois que ça, c'est important aussi. Donc, avoir une alimentation saine, ça joue beaucoup sur la pousse de tes cheveux. Donc, l'ensemble de ces 3 choses que je mets en place, ce sont des facteurs clés par rapport à la pousse de mes cheveux. Donc, je vais mettre quelques photos de mes cheveux lisses. Donc là, vous pouvez voir que ça a bien... c'est bien long. Bon, c'est vrai que c'est lisse, mais on constate quand même qu'il y a une croissance au niveau des cheveux. Donc voilà, j'en ai fini avec mes conseils. J'espère que vous allez aimer la vidéo et que vous allez appliquer ces conseils-là si, bien sûr, vous souhaitez faire pousser vos cheveux. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre dans les commentaires, etc. Et dites-moi de ce que vous en pensez de la pousse de mes cheveux que je vais vous montrer dans les quelques photos à la fin de la vidéo. Donc, bisous la famille, ciao, à plus! Sur la putain, elle est tellement sexy, je me demande si c'est réel. J'ai tellement des billets.